Matata Banaloki, Justin alias Cobra. 2. Prévenir Monsieur Adjibadi Zawadi Albert. Poursuivi pour organisation d'un mouvement insurrectionnel, crime contre l'humanité par meurtre, par viol, par pillage, homicide préterintentionnel, intentionnel, crime de guerre par enrôlement d'enfants mineurs, et homicide préterintentionnel, intentionnel, désertion à bande armée. Fait Kinshasa le 3 août 2023, le greffier principal Mounongo Zekimone Vincent, lieutenant colonel. La cause LP numéro 183-18, en cause l'auditeur militaire supérieur du ministère public et parti civil contre le prévenu Matata Banaloki Justin alias Cobra Albert. À la barre. Eh bien, parti civil, est présenté par. Oui, parti civil. Avec maître Fifi Ngana, Angia, avocat de la Cour d'appel de Kinshasa. Le civilement responsable, l'avocat de la République. À la défense et au civilement responsable pour leur plaidoir. Alors, sans tarder, la parole est à la défense. Monsieur l'auditeur militaire supérieur, ministère public, pour cette occasion où nous voulons développer nos moyens par rapport aux décisions de renvoi notifiées à nos clients. Mais, monsieur le Président, d'ores et déjà, nous tenons quand même à relever bon, pas à thème de préalable, mais quelques points quand même qui constituent pour nous une faiblesse pour les présents procès. Donc, vous vous souvenez très bien, et comme vous le savez tous très bien, les faits pour lesquels ne se sont pas passés ici. Ça s'est passé en Ituri, à plus de 2000 km d'ici. Mais vous avez par devers, vous, deux prévenus. Seulement deux prévenus. Comme le veut bien la loi, il est vrai, certes vrai qu'il y a eu soi-disant des victimes qui se sont même constituées partie civile, et leurs droits, mais également, comme le prévoit et la loi et l'article, à son article 14, c'est un bel homme, mais je peux quand même résumer, commence par dire non et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant, impartial, établi par la loi, c'est le cas, qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ce droit et obligation de caractère civil. Je passe, ce qui était plus important, c'est le point 2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa cause, sa culpabilité ait été légalement établie.
toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes. A. À être informé, ça ce n'est pas très important. Ce qui est important pour nous ici, c'est le point D et E, à être présente au procès, à se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, ce qui est le cas. Le point E, là où c'est très important, à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins de charge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Je pense que pour nous, c'est l'essentiel. Monsieur le Président, comme je le disais, vous allez constater, comme vous l'avez bien constaté, que malheureusement, tout au long de ce procès, depuis que ça a commencé, jusqu'aujourd'hui, au moment où nous sommes en train d'atterrir, on n'a jamais entendu un témoin ou une victime. Mais pour des raisons que nous pourrons, dans une certaine mesure, comprendre, compte tenu de l'insécurité et autres, tout ça. Mais nous ne savons pas quelle sera votre position par rapport à ça. Parce que je me souviens très bien, Monsieur le Président, distingué juge, dans un cas similaire, notamment dans les dossiers général Kakwav, il y a un monsieur qui s'était plaint, constitué également partie civile, déclarant qu'il avait été arrêté à l'époque dans un conteneur qui servait de cachot au général. Et que chaque jour, pendant une semaine, il recevait 50 coups de fouet. Heureusement, à l'époque, nous avions pu obtenir une descente en Ituri. Et nous sommes arrivés et le monsieur a comparu. Je lui ai juste posé la question. Est-ce que vous pouvez enlever votre chemise pour qu'on puisse voir les traces de ces coups de fouet laissés sur vous? Il dit non, c'est 450, c'est ici là, hein? Donc de ces 350 coups de fouet que vous avez reçus pendant une semaine, il n'y a même pas une petite égratignure. C'était un faux témoin. Mais, dès qu'il y a ça, on dit non, voilà les exactions que vous avez commises et autres, tout ça. Mais une fois sur le terrain, c'était une autre chose. Voilà en fait les petits déséquilibres qu'il peut y avoir. Parce que, Monsieur le Président, lorsque je parcours les déclarations des différentes victimes, tous ceux qui ont combattu, tous ceux qui ont versé là, mais pratiquement même la façon de poser les questions, presque les réponses, c'est presque la même chose. On m'a pris des poules, trois poules, on m'a pris ceci, on m'a pris des poules, trois poules, la même chose. Tout le monde a des poules. Même s'il y a une incursion dans le village, mais même ceux qui vont apporter, comment ils allaient attraper toutes ces poules-là, comment ils devaient-ils les emporter? Je ne sais pas, c'est juste une petite parenthèse que j'ai ouvert que je vais fermer rapidement. Donc, nous disons, comme également ce fut à l'époque, dans les dossiers, et nous l'avons démontré, qu'en fait il y a eu une complicité, il y a eu des ONG qui ont poussé les gens à aller faire des déclarations. Parce qu'aujourd'hui même, nous y reviendrons vers la fin, en matière de preuves. Prouvez-nous que vous aviez deux poules à l'époque. Prouvez-nous que vous aviez cinq chèvres. Personne ne sera nous prouver. Mais c'est facile de dire que les militaires sont arrivés, on m'a pris mes poules, on m'a pris mes chèvres. Mais prouvez-nous que vous aviez ça. C'est difficile. Or, chez nous, on dira non, crime contre l'humanité par pillage. Crime, malheureusement. Mais la preuve, c'est ce qui est important. C'est ce qui va emporter votre conviction. Mais dans les dossiers, en tout cas, je ne sais pas s'il y a eu des preuves, mais je n'ai pas vu de preuves. Voilà. Monsieur le Président, distingué juge, c'est un dossier qui est complexe. Il faut peut-être avoir vécu en Ituri pour connaître en fait quelle est la réalité de tout ce qui se passe là-bas. Parce qu'en fait, qu'il y a de ces problèmes qui sont sociologiques et autres, et aujourd'hui, avec tête un peu de politique, parce qu'en fait, ce sont des politiciens qui ont ou qui poussent les uns les autres à ce sujet. 1.
Vous avez d'une part, vous avez les M qui sont en fait comme des nilotiques ou des nilotiques, qui sont pour la plupart des éleveurs. Et vous le savez très bien que les éleveurs ont besoin d'espace pour nourrir leur bétail. De l'autre côté, les Nguit et les autres comme des agriculteurs. Mais quand vous cultivez et que les vaches viennent brouter et autres, c'est ça le conflit. Pas beaucoup, c'est ça le nerf du conflit. Entre d'une part les éleveurs et de l'autre côté les agriculteurs. C'est par là que tout a commencé. Avant que la politique ne soit versée ou ne s'y mêle. Donc tout est parti d'un conflit foncier. Parce que quand les bétails va bouter, mais il va aller au-delà. Et puis, moi-même à l'époque, je me souviens de Nguezayo à l'époque. J'étais encore en 3e ou 4e primaire. Mais Nguezayo avait plus de 5000 vaches à l'époque. Nous sommes dans les années 80. Plus de 5000 bétails. Imaginez-vous 5000 bétails dans la nature comme ça. Qui va les contrôler? Jusqu'où peuvent aller-ils brouter? Aussi loin. Et ça soit dans les champs et autres, ils s'en foutent, ils sont les bétails. Et c'était ça l'ennemi du conflit. Voilà. Et donc, à titre de rappel, peu d'informations, la partie nord-est de la RDC a bien été, avant même la colonisation, les points de mire des convoitises des puissances étrangères. Là aussi, ça c'est un autre aspect des choses. Parce que ce qui est aussi vrai, les coins regorgent beaucoup de minéraux. Beaucoup de minéraux. Le pétrole, l'or, il y a beaucoup de minéraux. Et celle-ci, ces puissances étrangères, c'était toujours buté à la résistance farouche des peuples autochtones. Plus particulièrement les peuples lendu. Parce que là aussi, c'est une autre exercice qu'il faudrait faire parce que vous avez des lendu lenguiti. C'est presque des cousins, tous ensemble. Vous avez des lignes au nord, au sud. Dont l'histoire est jalonnée de plusieurs épisodes de résistance contre l'agression extérieure avec ou sans complicité interne. L'actuelle guerre d'agression, occupation contre la RDC par la force hégémonique rwandaise, à l'époque burundo-ougandaise, s'est métamorphosé en Ituri dès avril 1999. À partir des différents fonciers entre, comme je disais, concessionnaires aimants et population lendu. Et un conflit initialement considéré comme par les passés séculaires traditionnels d'inter-ethniques, aimants-lendu, habituellement circonscrit en territoire de Ndjougou ou dans le sud de l'Ituri en province orientale. Maintenant, il y aura un autre acteur qui va entrer en jeu. C'est l'armée ougandaise, qui peut dire. Amplifié par l'ethnicisation du pouvoir local en faveur des Hema, sous la gestion politique du RCD, bar Kisangani, bar ML. C'est là où tout va commencer. Et Monsieur le Président, nous nous souvenons très bien, je vais y aller un peu plus rapidement, de la guerre dont on parle ici. Comment ça a commencé? Nous avions les RCD, Goma, qui contrôlait cette partie-là, et du côté de l'Ituri, vous aviez l'UPC de Thomas Lubanga, pro-rwandais, parce que nilotique comme eux. Donc, comme on le sait toujours, c'est devenu récurrent, même il y a Charles Onana qui a écrit dans son ouvrage, les soucis pour le Rwanda a toujours été de récupérer une portion de terre qu'il considère comme étant le sien. Donc, ils devaient étendre leurs frontières jusque chez nous. Donc, avec l'appui du RCD, les RCD maintenant qui avaient besoin
de l'UPC à Bounia, ils devaient se rencontrer. Heureusement d'ailleurs à l'époque, parce que là encore nous pouvons encore revenir un peu plus en arrière, à l'époque où le musée était encore là. Tous, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Tous on sait que le gouvernement à l'époque du musée a distribué des armes aux Maï-Maï pour combattre l'ennemi. J'ai des preuves, parce qu'on a toujours demandé des preuves. J'en ai certaines ici. Heureusement qu'il y a d'autres que je ne peux pas les montrer, d'autant plus que ce sont des documents qui venaient de la CPI qu'on a juste utilisé dans le cadre du procès Germain Katanga. Et l'accord était que ça ne peut qu'être utilisé dans ce procès-là. Il y a d'autres que je peux quand même brandir. Monsieur le Président, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, nous devrions quand même qui ont su résister pour que nous ne perdions pas notre parti. La sagesse à l'époque de ce gouvernement-là, qui, pour contrer cette agression-là, a eu à soutenir. Et les ministres Lendou, les Ngui qui et autres, on les a formés. Agnalek, il y a des documents, je vais vous les brandir, en différents endroits. Parce qu'il a été dit que jamais les RCD Goma ne pouvaient rencontrer l'UPC. Mboussa qui était à Beni constituait un verrou. Et il a fallu renforcer Mboussa. Les militaires sont venus aider Kinshasa et les autres Ngiti, Lendu et autres qui ont été formés dans les centres à côté sont venus renforcer. C'est comme ça que Beni n'est jamais tombé. Ce n'était pas seul. À l'époque, les FARC qui ont combattu, non, c'est grâce à eux, aux différents milices, appuyés par le gouvernement. On ne nous dit pas, est-ce que vous avez des preuves? Non. Est-ce qu'à l'époque même, quand on remettait des armes, à l'époque même des FARC, cette République s'est beaucoup attardée pour dire, non, vous avez dit des mensonges? Non. Ce sont des réalités dont nous parlons. C'est grâce à ces jeunes gens, les Lendu, les Ngiti et autres, que si aujourd'hui nous sommes encore dans nos frontières, c'est grâce à eux. Parce qu'ils ont combattu. Les RCD n'est jamais arrivé à Beni. Et de l'autre côté, l'UPC aussi a été combattu jusqu'à ce qu'il ait été même chassé de Boudia. C'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Donc aujourd'hui, je me dis, monsieur le président, dès lors que le gouvernement central a doté, a formé, on est encore un peu plus loin, monsieur le président. Parce que, je l'ai dit, nous sommes tous les Congolais. Paix à son âme, j'ai dit un jour à l'ancien auditeur général, je dis que je l'ai. C'est le général Moukou. Moi, général, pouvez-vous me dire s'il y a dans nos prisons ici un seul élément du FCD Goma en prison, un seul du MLC, un seul de tous les autres là? Non. Pourquoi? Parce que eux, contrairement aux Ituriens, ont été signataires de l'accord du Lusaka. Et tout s'était donné des immunités et autres, personnes n'étaient poursuivies. Alors que, là aussi, il y a des crimes graves qui ont été commis. C'est même répertorié dans les rapports mapping. Mais, un accord avait été trouvé pour que personne ne soit poursuivi. Mais comme les Ituriens n'avaient pas fait partie de cet accord-là, c'est ça leur malheur. On a vu Bosco Taganda, ces pays, on a vu Matengu Djolo, on a vu Thomas Lubanga, et aujourd'hui Cobra Matata. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas signé, ils n'avaient pas participé aux négociations ayant abouti à l'accord de Lusaka. Et ils n'avaient même pas participé au dialogue intercongolais d'Afrique du Sud. Non. Voilà. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on les remercie?
après avoir aidé le pays, après avoir perdu le leur, aujourd'hui, on requiert des peines de mort contre eux. Mais tous les bienfaits qu'ils ont rendus au pays, tous ces sacrifices-là, comment va-t-on le pays? Excusez l'expression, c'est comme on l'avait chanté à l'époque de la musique de Luambo, mais le chiffre après ça quand même. Oui, alors. Tout simplement. Parce que je me dis, toute chose restant égale par ailleurs, qui est celui qui n'a pas tenu les armes? Tous ont tenu les armes. Comme dit la Bible, puisque tous ont péché, tous sont également privés. Mais les uns ont eu l'avantage, malheureusement les autres aujourd'hui se retrouvent devant nous. C'est la dure réalité de la vie. Monsieur le Président, nous allons y aller. Bon, il y a des documents ici, par exemple, ça, proposer le déploiement des unités dans ces pays en fait. C'est un document qui ont été gardés secrets. Ici, au CEMIA, chef RNAM, tout ça, il y a des documents là. Il y a beaucoup de documents. Les directives opérationnelles, il y a beaucoup de documents. Ce ne sont pas des documents qu'on a ramassés, non. Ce sont des documents qui ont été remis en son temps par le gouvernement. Les résumés des faits du ministère public, bon, je ne me retrouve pas trop. Parce que, monsieur le président, à l'Est, comme je l'ai dit, c'est trop complexe. Trop complexe. Il a fallu peut-être y être pour bien comprendre les enjeux. Et d'ailleurs même, tout ça aussi, c'est la défaillance de notre gouvernement. Pas plus tard qu'en 2020, il y a un accord qui a été signé entre le gouvernement congolais et les FRPI. Mais lisez les résolutions, lesquelles ont été appliquées. On ne les a pas appliquées. Rien de tout cela n'a été fait. Il y avait même des dates, de telle date à telle date. Voilà ce qui va être fait, de telle date à telle date. Et avec autant de signataires, vous avez des confessions religieuses comme témoins, la société civile, les notables, les chefs de chefferie, tout ça. Et à l'époque, il y avait même Bamanissa comme gouverneur à l'époque qui avait représenté les ministres de la Défense, la MONUSCO, tout ce monde-là. Mais heureusement, rien n'a été respecté. Dans ces conditions-là, dès lors que vous prenez un engagement que vous ne respectez pas, de l'autre côté, comment est-ce que les choses doivent être conçues? Est-ce que... Donc, et aussi, monsieur le président, lorsque j'ai lu dans la... Parce que dans les FRPI, là, il y a beaucoup de gens qui sont passés, qui ont dirigé les FRPI. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est tout qui est tombé sur Banaloki et sur Adjibale. Et pourtant, Kakadu a été jugé également. À l'époque, le procès est là, dans cet ouvrage ici. Kakadu a été jugé, jamais Katang a été jugé à la CPI. Mais c'est comme si tout ce monde-là n'a pas existé, il n'y a que Cobra qui a existé, non? Matata poursuivi pour désertion à Bandar.
Mais, pour la petite histoire, en 2007, il était ici à Kinshasa. Logé même au niveau de centre souverain militaire. Mais à un moment donné, sa beauté abandonnée de lui-même. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? On le sait que certains, quand ils sont arrivés à Kinshasa, ils ont été soignés, logés au grand hôtel, soignés comme des petits princes. Mais lui, on l'a logé dans une tente. Vous imaginez quand il pleut? C'est contre toute cette souffrance-là que je dis non. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Autant que je rentre chez moi. C'est ainsi qu'il est rentré. Mais il est passé par où? Par l'aéroport d'Ingil. Il était avec qui? Il était seul. Alors pourquoi est-ce qu'on peut parler des exercices à bande armée? Il est parti d'ici jusqu'à Bounia seul. Il n'y a pas de bande armée. Parce que on sait très bien, quand on parle des ossos à bande armée, mais là il fait seul. Est-ce que cette prévention-là peut valoir ici? Non. Non. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Sélectionnel, c'est la question que je me suis posée. Dès lors que c'est lui-même le gouvernement qui vous a doté, à quoi devaient servir ces armes-là? À tuer des mouches ou des cochons? Non, parce qu'il y avait. Ils ont livré des grandes batailles au niveau de Kanyabayonga et autres à l'époque. Pour faire que les RCD ne franchissent pas. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, même avec l'accord que je viens de vous donner, me montrer ici, qu'il fallait remettre, mais ils ont remis les armes. C'est tout un processus qui a commencé. Mais qui a failli? Une fois de plus, le gouvernement congolais. Comment pouvez-vous imaginer vous cantonner les gens pendant une année? Est-ce que c'est concevable ça? Rester à ne rien faire. Qui peut accepter ça? Qui peut supporter ça? Voilà. Bon, pourquoi c'est personnel menacé les institutions? Quelle est l'institution qui a été menacée? Parce qu'à l'époque, il s'agissait de défendre l'intégrité du pays. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pendant que nous, ici à Kinshasa, on dormait, on faisait la musique comme on veut bien, autre. Mais eux, se sont battus pour nous. Pour nous tous. Ils ont sacrifié, comme certains le disent, leur jeunesse pour la nation congolaise. Et aujourd'hui, vous les poursuivez pour mouvement sélectionnel, en vertu de quoi? En vertu de quoi? Et qui ont été au service de la nation. Aujourd'hui, je le dis, ce n'est pas un phénomène nouveau, monsieur le président. Nous avons encore la guerre toujours à l'Est, où il y a encore toujours des maïmaï, qui sont encore un peu beaucoup plus actifs maintenant que même les FRDC dans certains endroits, qui harcèlent l'ennemi à tout moment. Parce que les FARDC, par rapport aux accords et autres, non, c'est le fait, oui, mais eux, ils continuent. Aujourd'hui, quand on parle de réservistes, là, ils viennent d'où? Mais ce sont ces jeunes gens. Ce sont ces jeunes gens-là, comme eux à l'époque. Alors donc, demain, après avoir combattu,
Vous allez encore mettre la main sur eux, mouvement sélectionnel. C'est contradictoire. Contradictoire. Parce que quand tu récupères des villages et autres, c'est pour le bonheur de qui? Mais des Congolais. Tout simplement des Congolais. Et l'objectif final, c'est lequel? Mais c'est de bouter l'ennemi dehors. C'est tout. Pas plus que ça. Et ces armes-là, ça provient d'où? On les sait. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'à l'époque, les Ougandais quittent l'Ouganda, se sont retrouvés jusqu'à Guado, à Kisangani, à combien de kilomètres de la frontière? Fallait-il les applaudir? Non. Mais ce sont des forces ennemies qu'il a fallu combattre. Et au moins, ils ne se sont pas comportés à lâche. Hein? Parce que les Kinois, les Kinois faisaient ça. Mais eux, non. On devrait les bouter. On les sait aujourd'hui. L'armée ougandaise a fini par rentrer chez lui. Donc, monsieur le président, par rapport à cette prévention des mouvements sélectionnaires, il y a lieu de revoir bien les choses. Parce que, en aucun moment, je ne sais pas, si le FRPI a eu à nommer des gens, dit voilà, nous administrons la contrée, on va nommer tel administrateur, on va commencer à percevoir des taxes, c'est nous aujourd'hui l'État congolais. Non. Le ministère public ne nous a pas démontré ça. Ils ne se sont pas substitués aux autorités locales, non. Parce que, pour preuve, vous avez vu qu'il y a même des chefs, des chefferies et autres qui sont toujours là. Avec qui ils ont combattu? L'ennemi. Ils ont combattu l'ennemi. On voit ici le nombre de militaires, tout ça pour moi c'est incroyable. Parce que de toutes les façons, pour combattre cet ennemi-là, il ne fallait pas être un ou deux. Il faut être nombreux. Et voilà. Nous arrivons au crime contre l'humanité. Monsieur le Président, quand j'ai lu tout ce qui est écrit, crime contre l'humanité, crime de guerre et autres, tout au début, le principe est tout simple. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Elle est individuelle. Et quand j'ai lu même la décision de renvoi et même les PV des soi-disant victimes, à moins que j'ai mal lu, mais je n'ai pas lu un seul PV où quelqu'un a identifié Banaloki, celui qui m'a violé, celui qui a tué mon fils, celui qui a fait ceci, celui qui a fait cela, personne n'a dit. Parce que quand on posait des questions, pouvez-vous identifier ces miliciens? Ils disent non, c'est difficile de les identifier. Ils étaient nombreux combien? Ils étaient nombreux. Point. Qu'est-ce qu'on a pris? Des poules, des chèvres, un porc. C'est tout ça. C'est le gros des CPV. Des histoires comme ça qu'on a racontées en masse. C'est comme si on appelait des gens, Moulongo, Omar, les noms c'est qui, tout ça, identité. Monsieur le Président, le ministère public a oublié un point capital. C'est l'article 28 du statut de Rome. Qui en fait déroge au principe que je venais d'évoquer ici. La responsabilité pénale individuelle. Parce que l'article 28 érige les principes de la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Et ce capital et ce fonds. Parce que même dans la décision de renvoi, ça n'a pas été repris. Et le ministère public ne fait pas dire, non, maintenant, on a plus à corriger, c'est déjà parti.
C'est une erreur monumentale de sa part. Parce que, je le dis, je le répète, personnellement, personne n'a pointé à Djibali, personne n'a pointé Cobra. Un, pour avoir tué un membre de sa famille, pour avoir violé son épouse, sa fille, sa mère ou sa grande soeur, je ne sais pas moi, pour avoir pillé ça, personne. Individuellement parlant, personne. Donc, de quoi devons-tu répondre? Ils ne pourront pas répondre comme supérieur hiérarchique, parce que tout simplement, dans les contrats judiciaires qui nous lient, le ministère public a omis ces grands principes, ces rigides de l'article 1, qui dérogent, comme je l'ai dit, aux principes que nous connaissons chez nous-mêmes sur le plan local, que la responsabilité prévue par l'article 17 de la Constitution, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Donc je ne peux répondre que des actes commis par moi. Oui, j'ai cogné, j'ai volé, j'ai violé. Oui, moi je peux y répondre. Mais si ce n'est pas moi, comme supérieur hiérarchique, je peux répondre de mes hommes. Parce qu'on dit, je devrais savoir, je devrais. Oui, mais ici ce n'est pas le cas. Ici ce n'est pas. Donc, dans tout ce qu'il y a comme mot, infraction, crime de guerre, non, il n'y a pas ce principe-là. À moins que l'on prouve le contraire. Donc, individuellement, personne de deux ne devra répondre de toutes les autres préventions. Crime de guerre, pas violent, parce que je me dis, donc, vous imaginez même, attendez, vous prenez, par exemple, la décision de renvoi. De Cobra. Voilà. Nous sommes à la sixième prévention. Avoir, à la même circonstance, des lieux et des temps qui dessus, commis des crimes de guerre par pillage. En l'occurrence, avoir commis des crimes de guerre par pillage sur les biens des personnes ci-après. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 40 personnes. Comment est-ce qu'il va tomber? Lui qui n'a pas été sur le lieu, lui qui n'a jamais été vu sur le lieu, lui qui n'a jamais été identifié sur ce lieu-là, comment je vais répondre? Parce que ce qui est vrai, oui, il a commandé des militaires, ou des miliciens, comme on peut l'appeler. C'est certes vrai. Mais, pour qu'ils répondent, et encore que l'on prouve également qu'effectivement ce sont ces miliciens qui ont commis les actes, oui, il faut d'accord qu'on prouve. Parce que lorsque vous suivez, ou vous lisez les PV, on vous dit, oui, oui, ça doit être l'Ngiti. Oui, mais l'Ngiti, c'est vague. Est-ce qu'il y a que lui, comme Ngiti, qui était milicien, mais il y a d'autres groupes? Mais vous lirez ici, dans les rapports faits par Human Rights Watch, que dans certains cas, il y a même les FAR, bon, à l'époque, les FARDC aussi, qui étaient aussi du nombre. Parce que quand il fallait aller combattre l'ennemi, mais tout le monde était mêlé. Hmm? Voilà, ici on vous dit, bon, les rôles du gouvernement de RDC à Nitour, hein, c'est juste une page, hein, c'est tout un rapport, tout ça, c'est juste une page. J'ai dit juste un passage, que les soldats FARC ont entraîné des forces locales, y compris l'APC, avec des Moussa, les milices Lendou, Ngiti et des Maï Maï, des groupes de combattants locaux appartenant à divers groupes ethniques qui vivent dans leur objectif. D'expulser les étrangers. D'expulser les étrangers. Et selon des sources locales, environ deux bataillons de FARC sont arrivés dans la zone de Béni pour soutenir la PCC que j'ai dit ici. Vous avez tout ce que j'ai souligné là.
Donc, ce sont deux exactions qui, deux fois, étaient, et même, monsieur le président, je vais les trouver ici, une fois à Kampa, non, à, comment on appelle ça, à Dar es Salaam, vous avez le chef Kawa, qui a dit même à l'époque au président Kabila, il faut arrêter de soutenir les lignes, sinon la guerre va continuer. Parce que c'était quelque chose qui était officiel. Ce soutien-là était officiel, mais c'était aussi primordial. Parce que si c'était cela aujourd'hui, on aurait peut-être changé notre cartographie aujourd'hui. Mais à l'époque, il aurait fallu le faire. Et c'est ce qui a sauvé le pays. Ce soutien-là. Ça a été fait. Donc, qu'on ne nous dise pas, non, les preuves sont là. Donc, il reçoit à la fois une formation militaire et des armes. Il affirme disposer d'une importante force de combat et beaucoup perçoivent l'armée bien finie. Vous ne pouvez pas vous tuer les mouches. Hein. Vous n'avez pas me dit que non, mais vous avez tué quelqu'un, oui, mais là, vous m'avez dit que c'est tout le monde. Ça sert à quelque chose. À toutes les armées, même en Irak, on a montré des militaires américains en train de piller. Ça arrive. Je dis que c'est tel, mais il faut encore arriver à démontrer. Te voilà, ce sont tes miliciens ou ce sont tes gens, parce qu'identifiés comme ceci. Ici, tantôt, on vous dit dans certains villages que non, non, ceux qui sont venus étaient en tenue militaire. Bon, là, nous, on ne sait pas distinguer ce que genre de tenue, mais ils étaient en tenue. Mais comment dire que ce sont les gens du FFPI? Non, mais dans le coin, ils ne sont pas seuls. Mais il y a aussi d'autres forces à côté. Difficile. J'ai dit que non, tout ça va retourner sur propre, tu iras du balai. Non, c'est difficile. Sans preuve. Voilà, Madame Kabouyi, les autres, tout ça. Mais il a été, elles ont été violées par qui? On dit, dans le cas d'espèce, c'est sous menace d'armes que les ministres ne peuvent pas répondre. Encore que je le dis, monsieur le président. À l'époque, une fois, nous discutions avec le général Moutata. Comme vous le savez, il a pris ce cœur à l'est là-bas. Et dit, mais un jour, on nous appelle ici comme quoi il y avait un viol massif et autres et tout ça. Et on descend pour enquêter. Il y a même une dame qui dit, d'ailleurs, non, si nous allons dans la brousse, vous allez me trouver mon sous-vêtement que j'ai laissé là-bas. Il faudra laisser. On y va, madame. C'était où? Mais c'est mérité, vous-même vous dites que dans la brousse. Et on est allé avec vous dans la brousse. À la fin, il va dire non, vous voyez, il y avait des ONG qui étaient venus hier, on nous a proposé un panne, on nous a dit de déclarer ça. Tout ça parce qu'on en voulait à tel milicien ou tel autre. Il est vrai, je l'ai dit, je ne peux pas nier, qu'il peut y avoir des exactions. Vrai. Mais. Arriver à coller ça, c'est cher, c'est difficile. À moins que vous ayez des aveux, vous voyez, ça va, c'est moi qui ai fait. Mais quand tu as dit, comme dit, vous le direz, tu peux répéter dans mes notes, les différentes côtes. Mais tous disent non, ils étaient venus la nuit. Et la nuit, là, c'était difficile d'identifier ces assaillants la nuit. C'était difficile de pouvoir identifier les assaillants. Prenez, monsieur le président, il y a même, voilà même, comme je l'ai dit, de mensonges. Vous avez par exemple, dans la côte 947, je dis que les assaillants sont venus à 2h du matin.
Mais il y a quelqu'un d'autre qui va parler de ici, dans les mêmes villages, on vous dit qu'ils sont venus à 2h du matin. Mais dans les mêmes villages, vous avez de la porte 953. Celui-ci parle que non, c'était à 17h. Et 2h du matin, il y a quand même une grande marge. Hein? Il y a une grande marge. Qui dit vrai? Un seul village. Une seule attaque. Mais 2h différentes. Monsieur le Président, je dis, sincèrement, si vous lisez, vous allez voir, même la façon de poser les questions, c'est comme si c'était un certain automatisme. Vous définissez d'abord votre identité, pourquoi vous êtes devant nous, je suis venu pour ça, qu'est-ce qu'on vous a appris, et c'est fini. Comme ça, des dizaines de procès de l'époque. À telle scène, je suis même fatigué de lui dire, mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme si, puisqu'on ne voulait plus de cobra, puisqu'il fallait les noyer. Donc, on a dû rechercher des gens pour les noyer. Malheureusement, je l'ai dit, mais tout ce monde-là qui a déclaré, comment est-ce que nous allons le voir? Oyako, c'est là. On est parti avec lui à Bougna à l'époque. Il était là. Mais nous devions quand même raconter les différentes soi-disant victimes. Vous dites effectivement, c'est oui, c'est vrai. Puisque là, ici, présentement, là, comment est-ce que je vais dire oui, madame a dit vrai, la vérité ou elle a menti? Je ne l'ai même pas raconté. Au nom même de mon client. C'est difficile. Je me pose la question, comment allez-vous trancher ça? C'est difficile. Parce qu'en fait, on a eu une seule son de cloche. L'autre son n'a pas entendu. Vous avez pu juger les prévenus par rapport à ce que vous. Mais nous, on n'a pas eu cette possibilité-là de les interroger également. Bon, c'est vous les juges, c'est à vous de décider. Mais les quelques éléments que nous mettons à votre position vous permettront quand même de réaliser qu'il s'est passé quand même quelque chose. Dans la constitution de ces dossiers. Et qui fait, comme on le dit bien, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Donc, pour nous, tout ce qui concerne le crime de guerre, tout ça, monsieur le président, vous direz cela non. Parce que, tout simplement, le ministère public a omis d'insérer l'article 28 du statut de Rome. Qui fait que si cela avait été inséré, là au moins, peut-être qu'en tant que supérieur hiérarchique, il pouvait. En tant que chef militaire, il pouvait. Mais puisque cela n'est pas arrivé, ils vont répondre à votre question. À répondre. Je me souviens parce que l'été, nous avons tous suivi une formation ensemble sur les crimes internationaux avec Avocats sans frontières. Et je me souviens un jour, nous avions audience à la haute cour dans l'affaire Jérôme Kakwa. Je suis arrivé en retard. Les gens me disent, mais tu viens de non, je vais te suivre une formation. Oh, maître. On a tout suivi à l'université, les cours. Je dis, non, Jean, ça c'est une matière nouvelle. Tous nous savions que la responsabilité pénale était individuelle. Mais ici, on vous dit autre chose, que vous pouvez répondre pénalement des faits de quelqu'un d'autre. Une responsabilité pour autrui. Mais ça, on n'a pas vu à l'université. Vous voyez que les choses ont évolué. Mais il faudrait créer ces liens-là, d'où l'article 28. Mais parce que si vous ne donnez pas ça, ça ne va pas répondre de ça.
président, monsieur le président. Nous arrivons. Bon, il y a tout ça aussi, le terrorisme et autres. Pas, c'est dans le même lot, monsieur le président. Dans le même lot. La Djibale. C'est dans les mêmes loges, moi je ne vois pas ce que tu peux ajouter. Monsieur le Président, j'aimerais réveiller une chose. J'ai lu le ministère public, il dit plusieurs fois, Cobra a fait la reddition. Je me dis, jusqu'à la preuve du contraire, il est officier. Jusqu'à la presse du Congrès. Et même en étant en détention, il a le droit d'avoir son RCA comme tout le monde. Mais pour l'avoir, voyez tous ces courriers, MNS, on a écrit, jusqu'à fatiguer même. Pour qu'il puisse ne fût-ce que recevoir ce petit rien. Qui doit devenir qui des rebelles dans ces pays? Notre armée? Non. Quand il s'agit de droit, à chacun son droit. Donner à chacun son droit, ce qui lui est dû, c'est un droit. Et ça ne va pas se négocier. À cause de lui, il y a des gens qui ont rempli leurs poches avec les missions. Non, on vend tout. On vend tout. Les gens des MNS, mécanisme national de suivi, ils ont fait de l'argent en son nom. Mais lui-même ici a pleuré sa mère ici. Sans un rond. Mais qui a souffert, malade et autres, mais sans soutien. Sans un rond. À qui est-ce qu'on n'a pas écrit? Il n'a jamais de réponse. Mais je le dis, je le répète, qu'il y a plusieurs. Parce que même pour avoir cet accord, ça a été négocié pendant combien de temps? Mais il y a des gens qui sont partis à Nitouri pendant des mois et des mois pour ne plus qu'accoucher sur ces documents-là. Mais ils se sont fait de l'argent en son nom. Mais lui, qu'est-ce qu'il a eu en retour? Rien, rien. Voyez, je me pose la question à un moment donné, finalement, à quoi est-ce que tout cela a servi? Parce que même ça, ici, on nous dit que. Ah, j'ai oublié l'élément, monsieur le président, par rapport au soi-disant enrôlement d'enfants. Vous vous souvenez bien du débat qu'on avait eu ici. Là aussi, il n'y a pas eu de preuves convaincantes. Parce que vous nous amenez un document où les noms des enfants sont masqués. Et autres, mais comment savoir que. Je vous ai dit ici, moi je suis né à Bougne, je connais quand même quelques coutumes de Bougne. Chez les Bira, la plupart de leurs noms finissent par Bo. Yemba Bo, Similia Bo, c'est pas. Leurs noms commencent par une, ou même Cham, Cham, Giu. Si je vois les noms, je peux vous dire que celui-là peut être deux. Quand vous masquez. Et avec tout ce qu'on avait dit à l'époque, prenez quelqu'un de Bougna pour l'amener à Mwanda. Hein? C'était quel ONG ça? Où est-ce qu'il a eu ce financement-là pour détacher des enfants de jusqu'à Mwanda, très loin comme ça? Finalement, pour les ramener où? Parce que ses parents se trouvaient où?
sont des choses qu'on a collectées pour le besoin de la vie. Vous vous souviendrez la difficulté qu'avait l'expert pour me convaincre ce jour. Malheureusement, j'ai oublié, monsieur le président. J'ai peut-être aussi un avantage d'avoir.